tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo plutôt sympa puisqu'aujourd'hui je vais vous donner 10 faits sur mon corps. Je sais que c'est une vidéo que j'ai un petit peu vue sur YouTube et que je trouvais vraiment fun à faire, de découvrir ce qu'il y a finalement sur le corps des autres. Je trouvais ça vraiment marrant, donc du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors le premier fait que j'ai à vous donner sur mon corps, c'est que j'ai un petit trou ici dans le doigt. Je vais vous mettre un close-up maintenant. En fait, c'était à la première soirée que j'ai fait l'année dernière, la première grosse soirée en école de commerce que j'ai fait. Et ben, j'ai un pote qui m'a griffé sans faire exprès. En gros, il voulait me renverser son verre dessus et j'ai intercepté avec ma main et du coup, il m'a griffé. Et ensuite ça s'est infecté, etc. Donc du coup je me suis retrouvée, j'ai une petite marque ici en fait, ça fait un petit trou. Et bah du coup ça c'est un petit souvenir de la première soirée. Ensuite le deuxième fait sur mon corps, c'est que j'ai une marque sur le nez, juste ici en fait. J'ai une marque qui est comme ceci, en plein milieu du nez. Parce que quand j'étais petite, je suçais mon pouce et j'étais tout le temps comme ça. Vous voyez, comme ça. Je remontais mon nez tout le temps et à chaque fois que je me mouchais quand j'étais petite, je me mouchais beaucoup. Et du coup à chaque fois je faisais ça après m'être mouchée. Et donc ça a fini par me faire une petite marque juste ici sur le nez. Je vais essayer de vous mettre un petit close-up. Et du coup maintenant ça se voit plus trop. Quand j'étais petite ça se voyait un petit peu plus. Mais bon, enfin voilà, c'est dû au fait que je me suis trop mouchée et que j'ai trop remonté mon nez vers le haut quand j'étais plus petite. Ensuite, le troisième fait sur mon corps, c'est que j'ai une tache de naissance. Donc il y a des gens qui n'ont pas de tache de naissance, moi j'en ai une, elle est juste ici sur l'épaule. Pareil, j'essaierai de vous faire un petit close-up. Elle a une espèce de petite forme un petit peu allongée, je saurais pas comment dire. Et je trouve qu'elle se voit quand même assez bien. Je sais qu'il y en a qui ont des grosses taches de naissance, d'autres des plus petites, il y en a qui en ont pas du tout. Et moi la mienne, elle est juste ici. Ensuite, le quatrième fait sur mon corps, c'est que j'ai un grain de beauté qui est exactement au même endroit que celui de ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle a un grain de beauté juste ici et moi j'ai exactement le même. Pareil, je vous mettrai un petit close-up maintenant pour que vous le voyez de plus près, mais c'est quand même marrant parce que ma grand-mère a le grain de beauté juste en dessous l'œil gauche au même endroit que moi. Ensuite, cinquième fait sur mon corps, j'ai une cicatrice sur le pied gauche qui est quand même assez grosse, puisque quand j'étais enfant, je devais avoir 10-12 ans, je suis allée à la plage à l'île de Ré et au moment de partir, j'ai voulu aller me retremper les pieds et en fait j'ai marché sur un caillou, donc du coup le haut de mon pied a cogné contre un caillou et ça m'a ouvert le pied, voilà littéralement ça m'a ouvert le pied et j'aurais eu besoin je pense de points de suture, mais le médecin que j'ai vu en urgence m'a pas fait point de suture, pardon, il m'a juste mis des espèces de petits straps là vous voyez pour essayer de resserrer la peau, sauf que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et ça m'a laissé une grosse marque, ça a mis beaucoup de temps à cicatriser et donc résultat bah, je me retrouve à avoir une grosse cicatrice alors que j'aurais pu avoir un truc vraiment moins pire que ça s'il m'avait recousu, mais il avait pas voulu me recoudre, donc du coup je me suis retrouvée avec cette cicatrice sur le pied. Alors sixième fait sur mon corps, c'est que les cheveux que vous voyez ici sont de ma couleur naturelle, ceux que vous voyez là ne sont pas ma couleur naturelle. Pourquoi donc? Eh bien, quand je suis rentrée en deuxième année de prépa, à la fin de l'été, j'ai eu la bonne idée d'acheter un espèce de produit, vous voyez, qui avait pour but d'éclaircir les cheveux. Et il s'est avéré que la dernière semaine de l'été, donc la dernière semaine d'août, j'étais à Oléron avec des copines. On allait tous les jours se baigner dans l'eau, dans la mer et dans la piscine, etc. Enfin voilà, tous les jours je me lavais la tête et tout. Et puis, j'avais la bonne idée le soir de prendre mon spray et de m'en mettre un petit peu comme ça, un peu partout sur le haut du crâne, enfin sans faire vraiment très attention, en me disant que j'allais avoir des jolis reflets blonds à la fin de l'été. C'était une grosse erreur, voilà, je me suis retrouvée, en gros je suis arrivée en deuxième année de prépa, j'étais littéralement rousse sur tout le dessus du crâne, juste ici, j'étais rousse, vraiment, mais pas sur les longueurs parce que mes longueurs étaient châtain clair. Voilà, un vrai plaisir. Donc j'ai dû aller chez la coiffeuse, je me suis fait une première couleur, puis j'ai laissé mes cheveux repousser, sauf que ça se voyait aux racines, donc j'ai fait une deuxième couleur, et ensuite j'ai juste laissé mes cheveux pousser naturellement et descendre en gros, et du coup la couleur est descendue quand vous regardez, avant la couleur était vraiment ici, et là maintenant ils ont poussé, et maintenant la couleur commence là en gros, la couleur est là, donc on dirait que j'ai fait un tie and dye, mais pas du tout, hein. Moi j'attends qu'une chose, là c'est d'aller chez le coiffeur,
de couper genre ça et du coup de pouvoir enlever tous ces cheveux qui sont de la couleur qui n'est pas ma couleur naturelle pour pouvoir enfin retrouver mes cheveux normaux. Voilà, donc tout ça pour une bêtise, pour soi-disant avoir les cheveux un petit peu plus clairs, des jolis reflets blonds. Clairement j'en ai pris pour là ça fait déjà 2 ans de galère, voilà. Du coup, à devoir, je me suis fait quand même 2 couleurs et derrière, attendre que les cheveux y poussent et tout. Donc vraiment, vraiment pas terrible. Alors le 7e fait sur mon corps, c'est que j'ai énormément d'allergies. C'est super chiant, mais depuis que je suis petite, je suis allergique au pollen, je suis allergique à l'histamine. Ça c'est contenu par exemple dans la peau de la tomate. Je suis allergique aux graminées qui sont contenues dans l'herbe. Je suis allergique aux acariens, enfin voilà. Et du coup depuis que je suis petite, j'ai pas mal enchaîné les désensibilisations. J'allais tout le temps voir l'allergologue et tout, trop chiant. Et je faisais que d'éternuer tout le temps. Mais j'éternuais genre 20 fois d'affilée, j'avais les yeux qui pleuraient et tout, enfin vraiment horrible. Ma mère quand j'étais petite, elle est venue me chercher plusieurs fois à l'école parce que genre j'avais une allergie aux yeux et mes yeux ils avaient genre triplé de volume, enfin genre horrible, vraiment trop chiant. Et pour ça j'ai toujours des gouttes pour les yeux avec moi si jamais je fais une allergie et puis je suis tout le temps en train de me moucher quoi. Alors la 8e chose c'est que j'ai de l'eczéma depuis que je suis toute petite. J'ai de l'eczéma et en fait ça me fait des taches sur les bras puisque j'avais de l'eczéma jusqu'à mes à peu près 10 ans je crois, quelque chose comme ça. Et quand j'ai passé les concours pour les écoles de commerce quand j'étais en prépa, c'est revenu et ça n'est jamais parti. Donc voilà, c'est ma manière de somatiser, je pense, d'évacuer mon stress. Et du coup, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc c'est super chiant, ça fait des petites taches à l'intérieur du bras. Et voilà, et en gros, c'est juste que ça démange pour pas grand chose et ça fait genre des espèces de petites plaques. Avant-dernier fait, c'est que j'ai un pouce plus fripé que l'autre, puisque quand j'étais petite, je suçais mon pouce. Donc du coup, je pense qu'il y a un de mes pouces qui a tellement passé de temps dans ma bouche que du coup, il a fini par être fripé, comme quand vous prenez votre bain, vous voyez, et que genre après vous avez la peau qui fripe, bah c'est exactement ça. Et du coup, j'ai un de mes deux pouces qui est beaucoup plus fripé que l'autre. Et le dernier fait sur mon corps, c'est que j'ai une cicatrice sur la fesse droite, puisque quand j'étais petite, je devais avoir à peu près une 10aine d'années, je me suis fait mordre la fesse droite par un dalmatien, voilà, donc urgence, donc point de suture, etc. Enfin, vous voyez le truc trop chiant. Et je me suis retrouvée du coup à me faire recoudre la fesse droite sans anesthésie à l'hôpital, donc c'était vraiment horrible. Voilà, sachant que les crocs des chiens c'est hyper sale, donc du coup trop une galère genre à désinfecter et tout. Voilà, donc du coup j'ai une petite cicatrice sur la fesse droite, je crois que j'ai eu 3 ou 4 points de suture genre à vif. Donc je vous dis, je m'en souviens encore, j'étais accrochée à la table genre aux urgences, c'était horrible. Et maintenant ça se voit plus beaucoup, mais genre moi je sais, si je regarde ma fesse, genre je sais qu'elle est là. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ça grave fun à tourner, j'ai trouvé ça hyper fun aussi, genre d'essayer de chercher des petits trucs sur mon corps qui le différencient des autres. Et en tout cas, genre tous ces petits défauts, je pense que je les changerai pas parce que ça fait de moi la personne que je suis. Et puis voilà, maintenant c'est comme ça et puis faut accepter, c'est pas non plus trop handicapant donc... Donc voilà, on fait avec. Dites-moi dans les commentaires, vous, les petites particularités que vous avez sur votre corps, ça m'intéresse. Et puis moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.